que tous les types qui traînaient un peu dans ces salles de concert, des mecs qui commençaient à avoir la trentaine, et tu vois, qui étaient marqués comme des... Enfin, un peu comme des vieux de la vieille, tu vois, qu'on voyait tout le temps traîner là-bas, mais on savait pas trop ce qu'ils écoutaient. Bah, ce jour-là, ils étaient tous à donf. Et je t'entendais, quand le concert arrivait, crier la souris, moi je connaissais pas, et je me disais, putain, qu'est-ce que ça va être, quoi. Et quand ils ont commencé, je me souviens bien de m'être dit, putain, mais en fait, c'est pas si vénère que ça, quoi, parce qu'au final, ça mélange plein d'influences, c'est, enfin, il y a du punk, il y a un peu de ska, il y a un peu de rockabilly, des fois. Après avoir écouté du skatecore et du hardcore dans les concerts, et, je trouvais ça hyper gentil et en même temps hyper fervent, quoi. Je me suis rendu compte que c'était un groupe qui était important dans la scène française, qui représentait quelque chose, même s'ils n'ont jamais vraiment décollé. C'est un groupe qui est resté au fil des années assez important dans l'underground, dans le punk, dans la musique un peu, je veux pas dire révolutionnaire, mais avec un peu vénère, quoi. Et quand on se demande comment on va faire autre chose, ben la souris déglinguée, voilà, peut nous aider. Carrément. Elle est là pour toi. C'est un travail de longue haleine, tu sais, les taupes qui mettent 30 ans pour arriver quelque part.